Ça, c'est la fiche d'inspection, c'est la validation des termes de référence. Mais pour le moment, on ne va pas aller directement sur cette fiche-là. On va utiliser cette fiche. C'est-à-dire que lorsque le bureau d'études nous a soumis un rapport d'évaluation environnementale stratégique, le comité l'a validé. Maintenant, la première phase, parce que dans ce rapport-là, il y a ce que l'on appelle... ça va aboutir à un plan cadre de gestion environnementale et sociale. Parce que c'est quelque chose de très général. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on a identifié le site, il faut donc aller vers ce que l'on appelle le screening ou tri préliminaire. C'est-à-dire la première phase de mise en œuvre de ce rapport d'évaluation environnementale stratégique sur le plan environnemental, c'est ça. Parce que là, maintenant, on connaît exactement où se trouve le site et on est sur ce site-là. C'est ce travail-là que l'on va faire. Et c'est ce travail-là que le bureau d'études aussi a fait. C'est-à-dire identifier tout ce qui peut lui permettre d'avoir des informations sur le plan environnemental, social, c'est-à-dire les ressources naturelles et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si on ne le connaît pas, s'il ne prend pas en compte cela, il risque donc d'induire donc en erreur ou bien de ne pas prendre certaines mesures d'atténuation des impacts au niveau donc de la de la population. Bon, on ne va pas aller de faire quand vous regardez cette fiche là, donc c'est un formulaire qui est conçu pour la sélection des projets microprojets dans la région. Bon, bref, c'est à dire que ici vous avez donc intitulé du projet ou microprojet. Ici par exemple, ce sera le projet de construction de l'université du Sine Saloum. Déjà, vous féliciter du branche que vous faites, je vais un peu stigmatiser les gars. Pour ceux qui sont du génie civil et consorts, c'est l'un des branches phares aujourd'hui qui non seulement ça paye bien, mais c'est des métiers qui sont les métiers du futur. Mais vous travaillez pour l'État? Non, pour l'État, on verra. Donc, c'est l'un des métiers phares aujourd'hui où vous ne pouvez pas rester, personnellement, je dirais, je ne peux pas rester un mois sans ne pas avoir une offre, tout ce qui est hygiène, santé, sécurité, environnement. Pour vous dire que je vous encourage vivement à suivre ces études-là. Ils sont assez importants. Donc, bon, je dirais on va faire la visite du chantier, on va la scinder en deux. Si on fait une visite téléguidée, donc on aura à voir les locaux, ce que l'entreprise est en train de faire, le niveau des travaux, comment ça se passe ici. Côté QACSE, comment on élabore, comment on travaille. Donc ça aussi, on aura à partager des expériences avec vous. Et d'autant plus, s'il y aura des questions aussi, ils seront les bienvenus, on aura à les répondre. On est au niveau de notre zone de stockage des matériaux. On appelle ça basalte, c'est des basaltes. Si vous voyez, il y a différents tas de gravier avec différents diamètres.
Ok. Bon, comme vous le voyez, ça, c'est notre centrale à béton. Ouais, c'est qu'on essaie de vous expliquer ça. C'est ça, c'est ici qu'on produit notre béton et l'amener dans le site pour les coulages et autre chose. Elle est juste rajoutée, elle est hyper importante ce qu'il est en train de dire, parce que ça va permettre non seulement le temps des travaux, mais surtout nous qui s'occupons de la partie environnement. Il faut n'oubliez pas qu'on a, on a aussi un droit de regard sur ça. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la pollution de l'air. Parce que parlant de particules, mon collègue vient en train de vous dire que voilà, il y a de la poussière. Parce que ça aussi, il faut tenir en compte, en tant qu'environnementaliste, les particules, en tout cas, là, tenir en pollution de l'air, elle est hyper importante. Lorsqu'on parle de centrale, il faudra essayer de voir le travail. Parce qu'au préalable, ce qui va se faire, c'est l'analyse des risques. Ça va vous permettre de savoir exactement, selon la fréquence de ces activités-là, la teneur, et bien sûr de savoir comment gérer la teneur en termes de pollution de l'air. C'est ici qu'on confectionne les fers afin de les acheminer dans le site. Comme vous le voyez, ça c'est des poteaux, des semelles. C'est à ce niveau qu'on confectionne les fers et après on l'achemine dans les bâtiments. D'où l'importance des EPI. Donc en faisant votre analyse de risque, vous allez tenir ça en compte. Ça aussi, il faut le dire. Parce que, bon, tel c'est vrai, on est des environnementalistes, comme il l'a dit. Hein. Il faut avoir un droit de regard sur tout ça. Là. Ça vous permet de juger, ça vous permet de dire que l'entreprise, soit il est conforme ou bien il n'est pas conforme. Parce qu'on va vous donner le PGS. Mais si vous n'avez pas un regard assez fin, du PGS, vous risquerez de passer à côté de votre évaluation en tant que tel. Donc il faut tenir ça en compte. Il y a des risques qui sont là-bas, qui sont bel et bien, qui existent au niveau des postes de travail. Donc il faudra après essayer d'atténuer. Nous, c'est ce qu'on l'on fait. Il y a les activités, mais après, comment on va faire pour atténuer ces risques-là? Comment on va faire pour à ce qu'il y ait zéro accident? C'est ça l'objectif, même si cela n'existe pas. Mais l'objectif principal, c'est d'aller avec ça. C'est les salles de cours. On a quatre salles de cours. C'est des amphis de 250 places. Ah ouais, ça c'est bon. C'est des salles de cours. Nous sommes du côté du personnel, donc on est là pour vous accompagner, donc ne vous inquiétez pas. Bon, on vous encourage aussi à déposer, parce que bon, les stages, les contrats et tout, donc c'est sur les dépôts, on va sélectionner les mérites. Donc, mais savez-vous qu'une formation, quand même, ça se termine, ou bien ça se concrétise par la pratique. Donc la théorie, elle est importante, mais quand même, ça c'est que la pratique aussi, elle est hyper importante. Donc, bon, on est là, vous accompagnez souvent votre formation et même arriver aussi à une insertion. Parce que qui fait en fait une formation veut demain qu'il soit inséré au niveau des entreprises pour quand même acquérir ses expériences et apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, voilà, en gros, on est là, bon, on est à votre disposition, on vous encourage et on vous souhaite en fait bon sens. Continuez à travailler, il y a beaucoup de choses qui vous attendent dans le marché du travail. Et comme je vous le dis souvent, la recherche maintenant, c'est vous. Hein. Je vous ai présenté par exemple M. Diouf qui s'occupe des ressources humaines. C'est à vous maintenant, si vous êtes bien sûr intéressé par ce qu'ils font, parce que chacun maintenant va voir ce qui l'intéresse. Si vous êtes intéressé par ce qu'ils font, c'est l'occasion avec lui, avec les autres, avec les enseignants qui vont venir vous faire cours, de prendre toujours les contacts, parce qu'on ne sait jamais. Les contacts, ça peut toujours vous servir. D'accord? Donc c'est des choses qu'il faudra prendre en compte. Voilà, donc vous voyez, donc on est en train de vous former en tout cas, de la manière, de la bonne manière. En tout ce que l'on peut faire, on va le faire. Donc les sorties pédagogiques, l'année dernière, c'est vrai que vous n'avez pas fait parce que tout simplement, il y avait la COVID et donc il y avait des restrictions au niveau de l'université qui faisaient qu'on ne pouvait pas sortir. Mais cette année, on va quand même faire le maximum
On va travailler avec les enseignants avec qui vous travaillez pour essayer de voir quelles sont les niches qu'on peut exploiter pour au moins performer votre formation. On a été accueillis par l'entreprise Seneguindia. Ils nous ont montré beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses ici qui nous ont permis de nous orienter et de nous faire une idée par rapport à notre filière, par rapport à ce qu'on suit présentement. Du coup, dans le futur, on se fait maintenant à l'idée de ce qu'on veut faire dans le futur, des différentes orientations qu'on voudrait prendre. Donc, on vous remercie vraiment parce que ça a été un plaisir d'assister à cette sortie, de prendre en compte beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est un atout. Merci à vous et merci aussi à nos professeurs qui nous ont permis d'assister à ce programme. Présentement, on est venu, on a trouvé l'entreprise Seneguindia et qui nous ont montré un peu comment ça se déroule, les études d'impact, l'évaluation environnementale. Voilà, ils nous ont montré le suivi environnemental surtout. Donc, ils nous ont montré les différentes phases de ce suivi et de cette évaluation, les différents impacts environnementaux que cela implique, les mesures prises par les employés et les entreprises aussi. Donc, c'était une manière très, très pratique, je veux dire, de nous montrer tout ce qu'on fait en cours dans le cadre de notre cours d'études d'impact environnemental et comment elle est réellement en pratique. Donc, on a pu faire la corrélation entre théorie et pratique. C'était vraiment très intéressant. Donc, on remercie l'équipe de Seneguindia, qui est actuellement l'entreprise qui est en train de gérer ce projet, et aussi nos professeurs qui nous ont organisé cette.